Psaume 37, verset 24. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Tomber, mais pas terrassé. Paul Willey était patineur aux Jeux Olympiques d'hiver en 88 à Calgary, au Canada. Il était nerveux quand il commença son programme devant 20 000 personnes et des millions de téléspectateurs. Puis, lors de son premier saut, quelque chose clocha. Il écrit « Une seconde plus tard, ma main touche la glace. La lame ne reste pas en place. Je commence à glisser et c'est à ce moment-là que je réalise que je suis en train de tomber. Tout ce que j'entends alors que je m'effondre sur la glace, ce sont les murmures désapprobateurs de ce qui semble être des millions de voix. » Willey avait alors une fraction de seconde pour faire un choix. Il pouvait ne penser qu'à son erreur et abandonner, ou il pouvait continuer de patiner et faire de son mieux. À ce moment-là, ce verset biblique lui est venu à l'esprit. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Il continua son numéro et décida de patiner de son de bon cœur, comme pour le Seigneur. À la fin du programme, la foule éclata en applaudissements pour son courage et sa détermination. En tant que disciples de Christ, nous pouvons être abattus par des événements malheureux. Un être cher peut mourir. Nous pouvons perdre notre emploi ou on peut nous oublier pour de l'avancement. Nous pouvons être consternés d'être tombés dans le péché. C'est une chose de tomber. C'en est une autre d'abandonner. Si nous nous relevons, réaffirmons notre foi en Christ et continuons de le servir, nous ne serons pas terrassés. Alors, réussir, c'est se relever autant de fois qu'on est tombé. Que Dieu vous bénisse.